Yo! Yo tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, petite journée spéciale. On va bien rigoler. Alors attention, tenez-vous bien, c'est vraiment très spécial. Donc en fait, c'est le sujet. C'est est-ce que c'est mieux maintenant ou est-ce que c'est mieux avant? Donc on va voir les trucs. Est-ce que. Donc, il y aura un petit sondage à chaque fois. Donc, il faudra voter de vos côtés si vous êtes plus. Comment? Ben, maintenant ou alors avant. Après, pour ceux qui étaient avant, bon. Après, il y a certaines personnes. Ils sont jeunes. Donc, après, voilà. J'ai le retour qui est trop fort. Voilà. Après, ouais, comme je vous dis, après, il y a des. Ah, peut-être ceux qui n'ont pas trop connu avant, mais ah, voilà, moi je sais qu'il y a certains trucs, c'est mieux avant, et d'autres trucs, c'est mieux maintenant. Donc on va voir ça ensemble avec Sub-Zero Project et Kurama. Donc je sais pas s'ils sont là, moi je pense qu'ils sont là, donc on va aller les rejoindre. Donc vous allez voir, donc il y a environ une trentaine de sujets qu'on va voir. Donc est-ce que c'est mieux maintenant? Ou est-ce que c'est mieux avant? C'est parti. Et pour ça, à la scène, pour moi, voilà, c'est mieux avant que maintenant. Il y a plus de trucs qui est mieux avant que, ouais, là, bon, voilà, bon, ouais, c'est vrai, bon, on a le téléphone, internet, machin, nana, il n'y avait pas ça avant, mais bon, c'était quand même beaucoup plus cool avant. Rien que le restaurant, c'est déjà plus cool. Que maintenant. Bon, maintenant aussi, il y a beaucoup de trucs, ils reprennent en vintage. Non, ça veut dire qu'ils font les restaurants modernes, mais avec le look des années 50, 60, 40. Enfin, c'est plus 50, 60, 70. C'est vraiment les années-là, c'est les années folles. Hein. C'est des années incroyables. Donc, je sais qu'il y avait un peu. Mais vous allez voir, il y a plein de trucs, on va rigoler. C'est ça n'a rien à voir que d'habitude, c'est vraiment un rattrapage assez cool posé, on va rigoler, alors ça va être sympa. Bon, on rejoint les frérots. S'ils sont là, ah, ils sont là. Hey yo! Ça roule? Alors attendez, je vais déjà régler le son direct, hein, pas comme dernière fois. Les gars. Alors le deuxième, ça va être autre chose là. Là, ça va être un peu plus gore. Non, ça, c'est maintenant. Attendez, Alors. j'ai un peu de retard. Vas-y, Hein. Ouais. vas-y. Ah ouais, j'imagine bien la gueule en. Hein. Et ça, c'est avant. J'ai encore pas le avant, dis-toi. Le maintenant. Bah, il y a pour tout, ouais. Ah, ça, c'est aussi avant. Donc là c'est l'appareil. Alors l'appareil c'était Voilà, ça, celui que tu vois qui est la grosse bouche là, avec le machin design, ça c'est maintenant ça. Et ceux qui sont à gauche, c'était avant. Donc attends. Il y a eu des progrès quand même. Ça fait penser à un film, il n'y avait pas un film, il y avait un mec qui se pointait avec ça sous la tronche, chose, un Ah mais youpi, c'est cool. le troisième c'est Joe Star, non? Incroyable, ça y ressemble. Ça y ressemble Ah, ça ressemble quoi. sur les câbles, sans les câbles, c'est Joe Star. Là, il n'y a pas photo quand même. Ah, y a pas Bon, autre chose. c'est dégueulasse les deux, hein, on est Voilà, d'accord. Hein, mais... j'ai mis ce sondage, vous pouvez voter si vous voulez. Ah bah c'est clair quoi, alors. Mais bon, après, il y a eu quand même entre avant là, je te dis, ça c'était en 1900, 1950, hein, les images que tu vois là, en fait les anciennes. Ouais. C'était en 1950. Mais Sachant que le... Ah, il y a eu. les deux. Et tu sais que le truc qu'elle a sur le visage. À cette époque-là, gros, c'était très très courant. Il y a même un film avec ça. Il y a un film, je sais plus c'était quel film, et Ouais, en fait, il y a ça je l'ai vu dedans. dans un film. Ouais, je l'ai vu dans un Il film, y a mais même, je sais y a pas où il même, est. il y a même un gamin, je sais plus c'était, je crois que c'est Johnny Depp, je sais pas quoi, avec tout, t'en rappelles, il y a carrément une tête, tout un arsenal en ferraille autour là. T'en rappelles de Eh ça? ben, c'est pas Edouard Romain d'Argent? Possible, possible, moi je sais Non. plus. Bah, je Attends. sais qu'il y a un film comme ça, qu'un gamin, gros, il a tout. Charlie la chocolaterie!
Son père est Ah oui, dentiste. c'est ça, c'est Ah, ça, c'est c'est ça, ça, ouais, c'est ça, c'est c'est ça. exact, alors, c'est Bah lui, l'enfant c'est qui. pareil, si vous connaissez pas, allez voir, gros, il a un appareil, mon pote. Donc là, je vais vous mettre le même truc, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Machine à laver. Que le frigo. Donc là, c'est le grille-pain. Attends, moi je dois le grippin, moi je préfère l'ancien. J'avais bien les anciens comme ils étaient. Et ça, c'est l'ancien. Alors, attendez. Celui-là, là, c'est l'ancien, là, celui-là. Et vous savez que celui-là, c'est pas un ancien? Je me suis fait avoir quand j'ai pris. Ah, c'est un old school, c'est un nouveau C'est en fait, c'est exactement un ça, c'est un ancien. vintage. Ça veut dire, Oui. il y a le même en 1950, mais là, ils ont celui-là, tu peux l'acheter maintenant, avec la technologie de maintenant, mais le même. Mais vintage. Et stylé, gros. Attends, je vais te montrer un truc, moi, attends, toi. C'est excellent. Franchement, Ouais, c'est énorme. Attends, mais faut que j'arrive. moi, je préfère plus le style là. Le style ancien, franchement, c'est trop stylé, gros. Ça fait trop classe dans une cuisine, tout. Là, ça fait vraiment. Si, ça fait la même chose, mais c'est plus stylé de l'autre côté. Après, c'est peut-être un peu plus cher. Mais. Ah, bah, c'est vintage, là, c'est 1880. Le grippin, il a 40 ans le machin. Et il marche toujours, hein. Par façon, tous les vieux trucs ils marchent encore maintenant. Et des grippins qui datent de 40 ans, ils marchent encore. C'est comme le micro-ondes, moi j'ai un micro-ondes gros, ça fait 30 ans que je l'ai gros. Ah, ça fait pas 30 ans, ça fait 25 ans que je l'ai. Quoi? Le micro-ondes que j'ai un Ah oui. micro-ondes, ça fait 25 ans que je l'ai, il marche toujours. Ah bah celui-là il marche bien, celui-là, il était à la grand-mère le grip. Donc là, pareil, hein, les grille-pains, c'est. Moi, je préfère vraiment le design ancien. C'est vraiment plus stylé. C'est trop classe. Comparé à maintenant. Ouais, avant ils avaient de la gueule les grippins. Avant, ils avaient de la gueule. Avant, ils sont en pute. Tu mets 4 tartines, les gars. Dans Ouais. quel grille-pain de nos jours, tu mets 4 tartines? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je sais pas trop c'est où, mais. Déjà, Bon, là, on va parler d'un truc, ça va piquer, les gars. Vous allez peut-être avoir des. On va parler de l'ophtalmologie. Alors les lunettes. ça c'était les équipements. Non, non. Ça c'était les équipements de chirurgie dentant. Oh la vache. Ouais, Dieu. Ah, ça fait peur. Tu bouges tes pinces. Ah, c'est pour Et les yeux, ça. là c'est maintenant. Ah ouais, tout ça c'est pour les yeux, quoi. T'as la pince, mon gars, pour écarter l'œil, là, le nez, il va se tomber, toi. À mon avis, juste après ciseaux, la deuxième là, c'est pour enlever l'œil. Je sais pas trop, mais. Donc ça, c'était tout ce qui était pour l'ophtalmologie. Et à côté, c'est ce qui est moderne, c'est ce qui est maintenant. Vaut mieux maintenant quand même, hein. Même si c'est plus balèze, ça fait plus peur, mais Ah ouais. c'est quand même beaucoup plus précis Ouais. que T'as la beaucoup main de moins mal. l'homme. T'as beaucoup moins Hein. mal, surtout. Bah, le truc, c'est qu'avant, rien que tu te pointais avec la pince, là, pour écarter les yeux, tu tombais dans les pommes. Hein. Tu vas y Le arriver, tu bouclier. tombais dans les pommes Attends, et directes. puis bon, il y a certains outils là, vers la fin, en haut, là, tu te demandes à quoi ça servait, quoi. Le mec qui te sortait l'œil. Ouais, c'est ça, gros. Même c'est l'écarteur de yeux et tout en dessous, là. Hein? Oh Il prenait un chiffon, le nettoyait, il l'en mettait dedans. là là. C'est pour ça qu'il y avait Ça. personne hein, qui allait voir, qui allait en ophtalmologie. Ah Hein. non, pas de deux, non. Non, je vois bien, je vois très bien. Mais qu'il y C'est a un possible. œil qui va là-haut, l'autre là-haut. Il voit Non, c'est bon, rien. je vois bien. Oh, Moi, c'est je bon, vois c'est bon. en 180 degrés, c'est bien. C'est beau. Donc, sacrée évolution quand même. La médecine, Le par gars, contre, c'est incroyable. Hein. il te croyait dans Naruto, tu vois. Il démontait les yeux, il en mettait les Ah, c'est ça. autres. Ah mais c'est vrai qu'au niveau de la médecine gros c'est jour la nuit hein. Tu remontes On va l'évoluer. 50 ans, 60 ans en arrière et maintenant gros c'est un truc de ouf hein. Ouais, bah. Bon les gars, moi je vais vous laisser là. Sur ce, c'était une super soirée, on a bien discuté et tout, on a bien un peu Ciao Indians. On a bien discuté et tout, c'était vraiment cool. Donc comme je vous dis, on se retrouve mardi prochain 20 h. Donc soyez là si ça vous a intéressé. Donc ça sera sur les catastrophes naturelles qu'il y a eu. Avant et tout, on va discuter de ça, on va reprendre des images, des petites vidéos, machin. Alors, ça va être pas mal encore. Donc, vous pouvez me suivre sur YouTube, hein, sur Twitter, et puis un petit clic, ça fait plaisir, petit abonnement. Sur ce, moi, je vous laisse là. Très bonne fin de soirée, et puis on se verra sûrement demain. Allez, ciao, et merci pour tout.